Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et nous apporter du neuf. Hein. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury des entrepreneurs, 2 coachs devront valider, en fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un rapport, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, également, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation les gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leur projet, mais de créer un canal transparent, un canal transparent pour le suivi de l'utilisation de ces fonds. Mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Bonjour, M. Mbaïdiaï. Bonjour, M. Bongo. Vous allez bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, le plaisir. Pouvez rappeler à nos téléspectateurs votre projet, s'il vous plaît? Oui. Mon projet, c'est une plateforme mobile qui sera accompagnée d'une application qui permet l'interconnexion des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Donc, si on parle des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles, ce sont les producteurs, les fournisseurs de matériel agricole, les prestataires de services agricoles, de même que les techniciens. Donc, cette plateforme permettra à ces acteurs-là de pouvoir faire des interactions à travers la plateforme. Les producteurs peuvent exposer leurs produits à travers une boutique qui sera ouverte. Donc, de même que les fournisseurs de matériel agricole, les techniciens peuvent postuler avec le CV dans la plateforme. Donc, ça permettra de faciliter la transaction. Donc, on a noté au niveau de la chaîne des valeurs agricoles que les producteurs avaient du mal à vendre à bon prix leur production. D'où cette idée-là, c'est ça? D'où cette idée-là, oui. Et c'est principalement que le côté agriculture que votre plateforme va toucher ou bien? Oui, pour le moment, on a commencé avec le domaine agricole. Mais on compte élargir avec le domaine élevage. Parce que si on parle d'agriculture, on parle d'agriculture avec grand A, qui regroupe la production agricole et la production animale. D'accord. Et est-ce que les gens auront la possibilité, de la manière dont vous avez précisé qu'il y aura de la possibilité aux vendeurs de créer une boutique et d'exposer leurs produits, est-ce que les gens auront aussi la possibilité d'acheter ces produits-là sur cette plateforme? Oui, les gens auront la possibilité d'abonner au niveau de la plateforme et de faire des commandes de produits. Et ils seront soit livrés, soit ils vont se déplacer vers les producteurs pour prendre leurs produits.
D'accord, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que cette idée est une très bonne idée, surtout au regard de la situation sanitaire qui nous guette actuellement. En tout cas, beaucoup de courage pour la suite et beaucoup de force. J'espère que tout à l'heure, vous allez croiser un jury composé, je pense, principalement aussi d'un spécialiste en agriculture. Et je vous conseille, en tout cas, je vous conseille d'utiliser toute la rage, toute la force que vous avez eue quand je vous ai eu au téléphone pour pouvoir les convaincre aussi. OK? D'accord. Vous avez la possibilité maintenant là d'avoir le financement dont vous m'avez parlé. Et nous vous souhaitons tout simplement plein succès et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Vous pouvez y aller. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Okay. Je me présente Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette première édition de l'émission 15 minutes pour convaincre. Donc, l'objectif de l'émission, c'est vraiment de promouvoir les entrepreneurs locaux africains et de donner de la visibilité à ces entrepreneurs-là également pour qu'ils puissent obtenir du financement de la part de micro-investisseurs sur la toile. D'accord? Et donc, le principe, c'est simple, de l'émission 15 minutes pour convaincre, c'est que vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Et mes collègues entrepreneurs également vont se présenter avant ça. Et ils vont vous poser des questions. On va vous poser des questions pour clarifier un peu le projet, la compréhension du projet. Donc, à l'issue de la clarification, on vous dira si chaque entrepreneur valide ou pas, et si vous avez 2 validations sur 3, on va créer une cagnotte en ligne pour votre projet et s'occuper de la campagne de financement participatif pour vous. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Donc je laisse Karima te présenter. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Moi c'est Karima, je suis la fondatrice de la marque Sweet Daily Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de brunch à domicile ou en entreprise. Donc, je suis là pour suivre votre présentation et je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Eladji Malik Fall et je suis le fondateur de Senba Company, qui est une entreprise qui fabrique des emballages en biodégradables. Donc, en tant que pionnier des sachets en papier au Sénégal, je suis également le fondateur du groupe Elmafa Holding SURL, donc qui est contrôle Club d'affaires, clublabo.net international SASU, qui est un cabinet de conseil et d'intelligence économique. Merci. Merci. Et bienvenue. Merci. Donc, je vous laisse vous présenter et puis nous parler de votre projet. Bonjour, mesdames et messieurs. Moi, c'est Ben Yaye, je suis élève ingénieur agronome à l'INSA en 5e année, spécialisé en économie et sociologie rurale. D'accord. En même temps, moi, j'enseigne des valeurs et entrepreneuriat agricole et agroalimentaire. D'accord. Okay. Le nom, s'il vous plaît. Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye. Ok. Alors, vous pouvez nous parler de votre projet? Oui, merci beaucoup. Mon projet porte sur un domaine clé du développement, l'agriculture. Il n'y a aucun pays qui ne peut se développer sans l'agriculture. Il n'y a aucune profession qui puisse être comparée en importance à l'agriculture. Sur elle repose la science et le développement de l'espèce humaine tout entière. Il n'y a aucune profession où l'application des principes rationnels produise des effets beaucoup plus profitables et soit d'une importance beaucoup plus grande que l'agriculture. Napoléon disait que la force d'un pays, c'est son agriculture. Cet éveil de la conscience a été noté ces dernières années, avec une forte augmentation de la production nationale. Au niveau de la production horticole, nous avons noté une production qui est passée de 905 000 tonnes en 2011 à 1 320 000 tonnes en 2017, soit une augmentation de 405 000 tonnes en 5 ans.
Au niveau de la production céréalière, également, nous avons noté une augmentation qui est passée de 2 400 000 tonnes en 2018 à 2 800 000 tonnes en 2019, soit une augmentation de 400 000 tonnes en une seule année. Donc, parallèlement, au niveau de la demande, nous avons noté une forte demande avec l'augmentation de la démographie. Mesdames et messieurs, malgré cette forte augmentation de la production, malgré l'augmentation de la demande nationale, le secteur peine à rémunérer son homme. Et ceci pour plusieurs raisons. On peut noter la saisonnabilité et la périssabilité des produits agricoles, qui est due à la non-maîtrise des techniques de production, le manque d'informations sur le prix du marché, le manque d'infrastructures de conservation, mais aussi la mauvaise organisation des acteurs de la chaîne des valeurs. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, 30% de la production nationale est perdue chaque année à cause des pertes post-récolte et aux problèmes liés à la commercialisation. C'est pourquoi une équipe composée de 3 personnes, moi-même, élève ingénieur agronome, Cheikh Sylla, ingénieur informaticien, et Assoua Lucène, étudiante en master appliquée à l'informatique, sont réunies pour transformer leurs compétences en produits. Nous proposons comme solution, face à ces problèmes, une plateforme qui lie tous les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles, le producteur, le consommateur, le prestataire de services agricoles et même les techniciens à la recherche d'emploi. Nous sommes en collaboration avec l'AMN, Association des unions maraîchères des Niagnes, qui regroupe plus de 22 000 producteurs dans la zone des Niagnes. Donc notre première phase va concerner uniquement la zone des Niagnes. La plateforme est déjà disponible en ligne. Vous pouvez vous connecter pour vérifier. Donc, nous avons parlé des bénéficiaires. Le producteur, c'est lui qui est au centre de la production. C'est lui qui met les produits. Et chacun aura à créer sa boutique au niveau de la plateforme. Et donc, pourront faire des transactions au niveau de la plateforme. Donc, la plateforme est notée Seyd Mbaye. Notre slogan, l'avenir de la nature. Donc, les solutions qu'aura à résoudre cette plateforme, c'est de réduire les intermédiaires. Nous avons noté au niveau de la production, le circuit en bleu, producteur, coxeur, acheteur. Le circuit en rouge, producteur, coxeur, bana, acheteur. C'est des circuits qui ne font que gonfler la production nationale. Les prix de vente, le producteur ne pourra plus vendre au prix désiré. C'est pourquoi cette plateforme est venue pour résoudre ce problème en liant directement le producteur aux acheteurs. Dans ce cas, le producteur pourra vendre à un prix convenable, de même que l'acheteur pourra acheter à un prix qui lui satisfait. Donc, ça permettra également l'appropriation des nouvelles techniques de production avec les fiches techniques qui seront insérées au niveau de la plateforme. Également, ça permet l'interconnexion des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles, mais aussi l'accès à l'information. Tout cela permettra aux producteurs de pouvoir augmenter son profit et d'augmenter les espaces à emblaver. Donc, cette plateforme sera dotée également d'un espace, noté espace Tontine Baye, qui permettra aux producteurs qui n'a pas les moyens financiers de produire, de pouvoir faire des prêts auprès de nos fournisseurs qui sont également au niveau de la plateforme. Par rapport à nos concurrences, nos forces, c'est l'expertise avérée dans le domaine, le bon réseau agricole, l'accessibilité du site, une diversité des acteurs. Nos faiblesses, manque de visibilité, manque d'expérience, moyens financiers limités. Par rapport à nos opportunités, c'est le développement du secteur agricole, le développement de la numérique. Nos menaces, taux d'alphabétisation faible au niveau de la zone des Niagnes et la réglementation du marché qui pourrait être un frein. Donc, le coût du projet est estimé à 1 million de francs CFA. Le logiciel pour 350 000, le matériel 150 000, sensibilisation 300 000 et la trésorerie de départ qui est à 200 000. Donc, les perspectives, c'est de mettre en place une application qui permettra aux producteurs de pouvoir d'avoir accès à l'information. Donc, cette plateforme sera traduite dans plusieurs langues locales. Donc, c'est là où on va faire la différence avec l'accessibilité sur tout ça. 35% dans la zone des Niagnes des producteurs sont des analphabètes. Donc, on va mettre également un cabinet de proximité qui permettra aux producteurs, au cas de besoin, de nous contacter. Donc, nos partenaires, c'est Ndiaye Agro Service, une entreprise de prestation de services agricoles,
dont je suis le PDG. AEMN, Association des Unions Maraîchères des Niayes, et Big Green, qui est une entreprise de fourniture de matériel agricole. Donc nous allons, à la première phase, travailler avec ces trois entreprises-là pour faire développer notre projet. Donc, mesdames et messieurs, voici l'expertise, voici nos moyens. Ce qui nous manque, c'est le financement pour avancer. C'est là où on a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur cefikafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Merci Mbaye pour la présentation. Voilà, comme je l'ai dit, avec la première candidate, vous êtes dans un secteur quand même très dynamique, voilà, parce que les gens mangent, en fait. Et ma question, c'est quel est votre business model? Parce que vous avez parlé de plusieurs choses en même temps. Donc, j'ai entendu tontine, j'ai entendu donc connexion entre producteurs, etc. Donc, j'aimerais savoir en tout cas le business model. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec cette plateforme-là? Très bien. À travers cette plateforme, nous allons travailler, nous serons un intermédiaire. Donc, j'ai cité les différents circuits qui existaient. Donc, nous allons prendre la place du coxeur, celui qui était sur le marché local et qui achetait le produit du producteur et le revendre au niveau du marché. Donc, nous allons... L'écart de bénéfices qu'auraient ces acteurs-là, nous allons essayer d'être à juste milieu et avoir juste le bénéfice nécessaire. Mis à part ça, nous allons travailler avec les prestataires de services agricoles. Donc, pour chaque prestation de service, on aura une part à gagner. Donc, par ailleurs, si la plateforme est bien développée, on pourra faire des publicités à travers la plateforme pour gagner de l'argent. Voilà, donc... Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bon, moi je peux. Oui. Bon, Karimette. Okay. Merci pour la présentation déjà. Je reviens sur ce que mon collègue vient de demander par rapport aux moyens de faire du bénéfice sur la plateforme. Vous avez parlé de publicité, ça c'est un moyen que je note, je comprends. Maintenant, je voulais savoir, sur votre plateforme, les producteurs vont payer pour s'inscrire? Est-ce que les producteurs vont payer pour s'inscrire sur votre plateforme? En fait, c'est pour savoir exactement de quelle manière ça crée du bénéfice. Est-ce que c'est en s'inscrivant ou est-ce que l'inscription est gratuite et c'est en fonction des transactions, c'est sur chaque transaction qui se feront entre un producteur et peut-être un acheteur que vous gagnez un bénéfice. Vous comprenez? Oui. En fait, c'est gratuit. L'inscription est gratuite? Oui. D'accord. Pour tous les acteurs. Donc, c'est les transactions? C'est les transactions, oui. C'est là vous aurez un pourcentage sur chaque transaction? C'est un prix qui sera fixé au niveau de la plateforme, qui est différent du prix fixé par le producteur. Voilà. Mais qui ne sera pas lésé, qui ne va pas léser le revendeur ou bien l'acheteur. D'accord. Donc vous allez fixer un prix fixe jusqu'à vous allez prendre chaque transaction. En fonction de la période. Parce qu'on sait que la production maraîchère, ça évolue, les prix varient en fonction de la période. Donc, comme en ce moment-là, plusieurs produits maraîchers sont rares dans le marché. Donc, dans ce cas, les prix vont augmenter. Ça dépend aussi de la zone. Et du produit. Et du produit. D'accord. Et je voulais également savoir le montant du financement, s'il vous plaît. Il a dit ça, 1 million. 1 million, d'accord, merci. Et aussi, vous avez parlé du problème, dans vos menaces, vous avez parlé du problème d'alphabétisation. Oui. Et moi-même, j'y pensais. J'aimerais savoir comment vous allez résoudre ce problème. Parce qu'on sait que les agriculteurs... Tous ceux qui cultivent, déjà de base, ils n'ont pas beaucoup de notions. De là aussi à être connectés, Internet, tout ça. Comment vous comptez résoudre le problème d'alphabétisation? Oui, à court terme, nous allons d'abord travailler avec les organisations des producteurs.
Donc pour le moment, nous sommes dans la zone des Niayes avec l'AEMN, Association des unions maraîchères des Niayes, qui regroupe 22 000 producteurs. Donc à travers cette organisation, nous allons les donner la plateforme. Donc c'est le coordinateur qui aura à sa disposition la plateforme et qui va gérer pour ses membres. Donc on va faire de même pour les autres zones agroécologiques. Maintenant, à long terme, nous avons prévu de mettre en place une application qui sera traduite dans plusieurs langues. À travers cette application, les producteurs peuvent envoyer des vocales et lire ce qu'ils comprennent le wolof. Parce que d'après le coordonnateur, plus de 50% savent lire le wolof. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mbaye, pour la présentation. Je veux juste peut-être, ça c'est plus par rapport à comment vous allez gagner de l'argent sur, vous avez précisé que c'est en fait une différence entre le prix du producteur et le prix au consommateur. Maintenant, peut-être pour simplifier, ça c'est une suggestion, il faudrait peut-être appliquer un pourcentage sur le prix, si c'est 5% fixe, par exemple, et voilà. Ça n'a pas besoin, même si le prix varie, il va descendre, c'est simple, vous avez, si c'est 5%, c'est 5%. Ça s'appliquera systématiquement et vous reversez simplement, en fait, pour prélever aux 5% et la différence. Dans le cas, vous décidez, il faut penser à un pourcentage, c'est plus facile à gérer. Et même dans l'application, plutôt que de changer chaque fois dans l'application le prix pour 20 000 articles, parce que quand on parle de 20 000 producteurs, on parle de 20 000 peut-être ou bien d'au moins des dizaines de milliers de lignes d'articles de produits. Donc voilà. Donc ça, c'est une suggestion. Okay. Donc c'est déjà, moi en tout cas j'apprécie le projet. Maintenant par contre, la problématique d'alphabétisation, c'est une vraie problématique. Moins l'alphabétisation, oui, ça c'est une problématique, on en a déjà parlé, vous avez parlé de l'application. Mais moi, on est en train de travailler avec un dégroupement de femmes en Casamance. Et le problème qu'on a rencontré, c'est que par exemple, ils ont du mal à se connecter sur Internet. Même nous, même quand on est là-bas, on a des problèmes d'Internet. Donc, comment vous voulez... Ça, c'est une vraie problématique, hein, la connectivité. Donc, il faut y penser. Je ne sais pas si vous avez déjà... Mais il faut y penser. La connectivité, les gens là-bas, des fois, ils ont des problèmes de réseau. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut quand même faire un petit sondage pour voir si les producteurs à qui vous voulez donner, est-ce qu'ils ont des smartphones tous? C'était des problématiques. Est-ce qu'ils ont des smartphones? Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'ils ont la... Vous voyez un peu? En fait, dans la zone des Niayes, on a fait un entretien avec le coordonnateur. Mm-hmm. Il nous a dit qu'il y a plusieurs projets qui ont passé par là-bas. Okay. Et des projets qui visent à améliorer le taux d'alphabétisation dans la zone des Niayes. D'accord. Oui. Donc, il nous a rassuré que ça pourrait être bien adopté. Voilà. Puisque dans la zone de Niayes, il n'y en a pas que les agriculteurs familiaux, mais aussi il y a les agro-businessmen qui sont bien, très bien développés dans cette zone. D'accord. Oui. Bon. Bon, je pense, en tout cas, il faut juste en tenir compte, quoi. Parce que c'est. Et je pense. Et maintenant, autre point, c'est que. Il faut aller au-delà de discuter avec le coordonnateur. Il faut aller sur le terrain. Il faut rencontrer les producteurs. Il faut discuter avec eux. Il faut voir quels sont les outils qu'ils ont pour voir si ce que vous proposez est complètement... Vous voyez un peu. Parce que le coordonnateur, c'est quand même... Il est assez... Mais il faut rentrer. Il faut vous-même expérimenter. Et ça m'amène à une question. Si vous avez aujourd'hui le financement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous-même partir pour prendre en charge le projet, cette équipe de 3 personnes, ou qu'est-ce qui est prévu? Oui, en fait, c'est le financement qu'on attendait pour aller sur le terrain. Parce que la zone de Niayes, c'est de Dakar à Saint-Louis. On voulait faire le tour. Donc, et pour cela, ils nous demandaient des moyens financiers. C'est pourquoi on a mis la sensibilisation à 300 000. D'accord, pour le transport, les déplacements dans toute la zone. Le transport et les déplacements. D'accord. Rencontre les groupements, il y a beaucoup de groupements dans cette zone. D'accord. Et bon, vous avez une idée de ce que vous n'avez pas fait, vous ne savez pas en termes de prix ce que vous allez gagner, donc je suppose que vous ne savez même pas si vous allez faire des bénéfices. Donc, vous n'avez pas. Merci beaucoup. Oui.
Je ne voudrais pas présenter tout le business plan ici. Ok. C'est combien vous estimez en termes de rendement? Si on investit 1 million, c'est combien en termes de rendement vous pensez que en fait, vous... Je n'ai pas exactement les chiffres ici, mais ça tourne autour de 500 000. Par an? Par deux mois. Par deux mois. Ah ok, d'accord. Par bon. Deux mois. C'est pas bien compris. On investit 1 million. Oui, 500 000 par deux mois. Oui, c'est vrai que c'est un business scalable. Quoi. Voilà, scalable. Voilà, c'est 2 millions 5 l'année. C'est scalable en fonction de, du cycle de production. C'est. Souvent, les cultures maraîchères, c'est 2 à 3 mois. La période de récolte, les campagnes, ça dure 2 à 3 mois. De toute façon, c'est, au moins je voulais savoir si vous saviez combien vous allez gagner. Parce que si c'est, ça, c'est le minimum que vous sachiez au moins si vous allez faire un bénéfice. Bon, parce que vous avez, ce que vous êtes en train de mettre là, c'est une start-up. Parce que si c'est application mobile, c'est une start-up. Une start-up, c'est que c'est le, une fois que le modèle économique est trouvé, c'est scalable à l'infini. Vous pouvez le répliquer autant de fois et l'utiliser autant de fois. Donc, c'est excellent. Par contre, pour être en train de travailler sur beaucoup de projets digitaux, je peux vous dire qu'une application mobile, juste l'application mobile, 1 million ne suffira pas. Donc, comment est-ce que vous avez des développeurs, des développeurs. Ah, je ne sais pas si votre développeur. Ah, ok, bon, c'est vrai. Ok. Ah, vous avez un ingénieur. Ah, d'accord. Là, c'est bon, c'est pas mal. Ok, donc ça réduit votre coût. Ok, c'est excellent. Parfait. Bon, moi, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aimerais juste poser une dernière question. Oui, vas-y. C'est par rapport à la logistique. Parce que la plateforme, elle est, même si elle est optimale, en fait, il faut derrière que quand quelqu'un commande, que ça puisse être livré à temps. Merci. Voilà, ça aussi, et dans ce pays-là, merci. C'est un très grand défi. Donc, est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez prévu comme stratégie par rapport à cela? Oui, comme stratégie, pour le moment, on travaille avec les transporteurs qui sont dans la zone, donc qui ont des transports interurbains. D'accord. Okay. Okay. Ok. Bon, au moins, vous y avez pensé. Oui. C'était bien. Pas mal. Okay. Bon, merci beaucoup. Moi, je valide. Moi aussi, franchement, je valide. C'est un très bon projet. C'est un très, très bon projet, mais moi, par contre, je ne valide pas. C'est surtout à cause du problème de connectivité, d'alphabétisation et la logistique. Les trois points-là n'arrivent pas à me convaincre. Mais sinon, c'est un bon projet, mais je ne valide pas. Okay. Bon, vous avez deux validations sur trois, c'est déjà très bien. Félicitations. Félicitations. Voilà, donc on va créer la cagnotte en ligne pour vous et faire la campagne de communication, faire appel à la communauté de la chaîne pour qu'ils investissent auprès de vous. Félicitations et très, très bon courage. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.